Salut, donc voilà pour le testeur de servo moteur. Là, j'en ai refait un beaucoup plus simple que le précédent. Et bon, je laisse le schéma est très basique. Le transistor de sortie est un 547, BC547. Le reste est un montage à stable pratiquement standard avec le potard de 10K. Et maintenant, on va voir comment ça nous sort. Donc ça sort évidemment avec un signal impulse carré et quand je bouge le potard évidemment ça me change mon duty cycle et du coup ça fait bouger évidemment le potard en fonction de si je vais à droite ou à gauche, la rotation change également. Alors en butée, il y a un peu de parasitage parce que je suis sur une plaquette protoboard, évidemment. Alors pourquoi il y a trois résistances ici? C'est tout simplement que j'avais pas la bonne valeur. Il manquait la 220K, donc je l'ai faite avec trois résistances. Je vais fournir en description le lien vers le GitHub correspondant, évidemment, avec le schéma dans KiCad, et une proposition, évidemment, en JPEG de la plaquette définitive à faire. À plus.